Bonjour famille, je suis Mégane. Qu'est-ce que je suis, moi, une fille pour recevoir une poupée? Mais mon fils, on dirait une vraie personne. Tu dis que c'est une vraie? Mais ce n'est qu'un tas de plastique. Il en va de même pour tes manières, sœurette. Apparemment, la peur de la mort ne vient pas avec. Je vais arranger ça. Alors, mon frère, il est temps de te donner une leçon. De littérature! Quel ennui! Pourquoi je ne le frappe pas avec la première chose qui me tombe sous la main? Quoi? Un oreiller? Non, Pugsley, je vais faire un home run! Tu veux jouer à un jeu, petit frère? Je suis occupée! Joue avec Mégane! Et lâche-moi! Il faut tenir la batte plus fermement. Ne me dis pas ce que je dois faire! Laisse-moi partir! Où crois-tu aller? C'est pas ton problème! Tu voulais jouer? Tu ne peux pas me gérer! Tu me sous-estimes, mercredi! Bouh! Oh! On n'a pas fini de jouer! Le concours de regard est un jeu d'enfant! Faisons-le comme des adultes, tu veux? Une battle de danse! Tu ne battras jamais une personne dont la danse est vue des millions de fois! Donc, ces crampes sont une danse. Tu n'as aucune flexibilité. Et tes genoux tremblent. Tout le monde peut danser avec ses mains. Regarde, mais peux-tu copier ça? Je ne copie personne! Léa, écrivez dans les commentaires quelle danse était la meilleure. La mienne ou celle en plastique? Je peux aussi imiter les lézards. Bleh. Je devrais apprendre à mieux connaître cette maison. Je commence à avoir le cou raide à force de m'asseoir. Alors, à qui appartiennent ces cerveaux? Probablement à celui de mercredi, ça expliquerait beaucoup de choses. Voyons voir ce qu'il y a d'autre là-dedans. J'arrive pas à savoir ce qu'il y a dans ce bocal. Il a l'air assez frais, mais il ne sent pas le frais. Cette famille est clairement obsédée par les conserves. La seule plante vivante dans la maison. J'adore les invités! Es-tu faite de caoutchouc? C'est des polymères. Et quel est ce bruit? Fleur, j'ai pas trouvé d'os pour toi. Oh, bonjour. J'aurais bien besoin d'un ami comme ça. Je t'ai jamais vu dans le coin. Eh, ne me touche pas. La résistance ne sert à rien. Je ne peux pas me passer de ta main. Alors ta main a disparu? Et maintenant ton visage est sur le point de disparaître. Tu as tout faux. T'apprendras à attaquer la chose. Aouh, c'était pas une bonne introduction. J'ai pas besoin d'une nouvelle main quand je peux récupérer l'ancienne. J'espère que tu t'es bien amusé. Et maintenant, il est temps de te rendre l'appareil. Si cette main veut étrangler quelqu'un, ce ne sera pas moi. Je me demande ce que fait mercredi maintenant. Voyons comment il me traite maintenant. On dirait qu'elle prépare encore quelque chose. Je ne vois pas bien d'ici. J'active la fonction d'espionnage. Les buissons ne sont plus un obstacle pour moi. Ouh, je suis sur le point d'apprendre tous les secrets de mercredi. Il faut que je me rapproche. Oups! Est-ce que Pugsley joue encore avec la nourriture? Quoi, c'est un vrai œil? Et je sais même à qui il appartient. Est-ce que cette poupée me suit partout? J'ai dû la faire fuir. Et cet œil? Tu ne peux même pas en faire de la soupe. Il est temps de partir. C'est bon de te revoir. Je ferais mieux de surveiller mes pièces détachées dans cette maison. Oh, mon frère, le nouveau jouet ne peut pas te protéger éternellement. Voyons ce que nous pouvons faire. Des petites cornes comme celles des chèvres? Parfait. C'est la recette la plus facile qui soit. J'ai besoin de deux doigts, d'un globe oculaire. J'aurais dû garder l'œil après tout. Et aucune coupe de cheveux ne peut cacher ces cornes. C'est fait. L'important, c'est de ne pas se renverser dessus. Je me demande ce qui va se passer. Je veux voir. Prépare-toi, mon frère. Ne te crois pas dans un conte de fées. Oui, je te conseille de faire de même. Oh! On dirait maléfique d'AliExpress. C'est la meilleure façon de le dire. Oh, cette poupée! Elle va payer pour ça. Les fleurs ne sentent plus rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Déjeuner? Peut-être que j'ai besoin d'une collation. Ils n'ont que des araignées dans le frigo. Et pas une seule mouche! Comment ont-ils survécu? Et je ne parle pas de la famille. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Tu veux pas recommencer? Une bête à abattre. Si tu ne te comportes pas bien, je te donnerai en pâture aux araignées. Si tu n'arrêtes pas de gigoter, je t'attache. C'est de ça que je parle. Nous ajouterons des légumes pour que tu ne sois pas seule dans le four.
et de la cervelle. Au fait, qu'est-ce que j'ai dit à propos des doigts? C'est pour le dessert. Combien d'étoiles Michelin ce plat obtiendrait-il? Ils sont tellement bizarres que j'ai peur qu'on me l'enlève. Du sel, on en a plus aussi? Comment on enlève ça? Un tour de passe-passe. La chose? Qui t'a fait ça? Ne bouge pas, je vais te détacher. Quel nœud! Elle est là, monsieur Adams. Mercredi? Elle voulait manger la chose. Attends, mais c'est pas vrai! Comment as-tu pu penser une telle chose? Il y a un frigo plein d'araignées dans la maison. Oh là là, quel nœud! Mais c'est pas moi, j'adore la chose! C'était méga... Je ne tolérerai pas ça dans ma maison, tu es puni! D'accord, je vais m'occuper de toi, poupée. Oh, j'ai hâte d'y être. Maintenant, je vois comment tu es vraiment. À côté, on croirait que je suis une fleur. Et comme je suis gentille, je vais devoir regagner la confiance de la famille. Tour de passe-passe! Ce rose me pique les yeux! Les cheveux sont horribles. Je dois dire adieu à l'ancienne mercredi. On doit oublier le passé sombre au profit d'un avenir plus radieux. Les bonnes filles doivent sourire. Que font les gentilles filles? Je n'aurais jamais pensé faire ça un jour. Et si on faisait des biscuits? Super, c'est parti. Je suis sûre que le lait, la poudre de cacao, la farine et le sucre suffiront. Nous allons d'abord mélanger le lait et le cacao. Mais pas trop. Si tu les mélanges bien, tu obtiendras une pâte au chocolat. Super. Maintenant, nous allons utiliser les moules en tête de mort. Je me demande quel goût ça a. Waouh! Je devrais bientôt appeler tout le monde à table. Pour qu'ils sachent que j'ai changé. Bon, n'oublions pas de sourire. J'espère qu'ils n'auront pas peur. Les gars, quel mercredi préférez-vous? Yep! J'attends avec impatience vos commentaires sous cette vidéo. Une bonne odeur dans cette maison. C'est nouveau. Waouh, et ça a l'air comestible. Essayons ça. Comme c'est délicieux. J'en prendrai bien un deuxième. C'est vraiment trop bon. Waouh, je pense pas que je pourrais dire non à l'un d'entre eux. Il faut trouver une solution tout de suite. Activons la recherche. Entrons l'analyse de données. On a une piste. Je crois que j'ai trouvé l'ingrédient secret. Terre de cimetière, goût de cacao à 100%. Vérifions ça. C'est ça! Maintenant, roulons une boule et mettons-la dans un moule. C'est exactement comme le vrai. Et la décoration? Bon appétit, famille. Je vais aller cacher l'épreuve. Allons-y! Chérie, je te reconnais pas. Je vous ai fait des biscuits. C'est très gentil de ta part. J'ai hâte de les goûter. Ils ont tous l'air si bons. Je vais commencer par celui-là. Je te le donne. J'en ai trouvé un sans verre. Oh, 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 aidez-moi! Papa, y a quelque chose qui va pas avec les biscuits? Où est le seau? Vraiment, y a quelque chose qui va pas. Je sais. Moi d'abord. Eh, mercredi. Eh bien, bonjour. Et dis-moi, pourquoi y a-t-il des miettes sur ta chemise? Ou bien, est-ce du terreau? Oh, mon régime ne te regarde pas. J'en ai marre d'être la gentille fille! Maintenant, parlons d'égal à égal. Ça, c'est bien, mais je ne lui ferai pas de mal avec une chanson triste. Allez, viens là! Tu ne peux pas me battre, même avec une arme. D'accord. Alors prépare-toi à te secouer sérieusement. Je te battrai en un clin d'œil. La technique des 1000 palmiers! C'est une technique interdite! Je n'en connais pas d'autre. Waouh, des combats dignes d'un animé! Il faut que je filme ça! Je suis venue chercher des biscuits, il y a une bagarre! Encore du plastique? Mon téléphone! Mes abonnés! Que dois-je faire? Je dois le récupérer! Enfin! Non, Pugsley, sors de là! Tu vas aggraver la situation! Attends, on va résoudre ce problème. Troum troum trick! Troum troum trick! Le tour décisif. Troum troum trick! Encore égalité? Eh bien, combien de temps encore, les gars? J'arrive pas à surpasser la poupée en pierre feuille ciseaux! Laisse la pièce de monnaie décider. Ok. Eh bien, essayons. Ma pièce porte-bonheur! Où est-elle? Megan, aide-moi à chercher!
Peut-être qu'elle est sous la table. Ou sous le tapis. Hé, regarde derrière le canapé. Oh. Les filles, dépêchez-vous. C'est ta faute. Pugsley, il faut qu'on t'aide. Tiens bon, on va te sortir de là. Allez, Megan, sois une amie. Est-ce qu'elle vient de m'appeler amie? Pugsley, tu vas bien? Ne t'approche plus de la fleur carnivore. Ni à la maison, ni ailleurs. Ce que je fais bien, ce sont les nœuds. Tu ne mordras plus personne. Va dans ta chambre. Top là, l'ami. Bien joué, ami. Tu sais que je ne voulais pas te le dire. Mais je dois retourner à l'université aujourd'hui. Ne sois pas triste, d'accord? C'est trop tard, mercredi. La tristesse est autorisée. Tu sais que je ne veux pas partir très longtemps. Je n'ai pas oublié mon cerveau à la maison. Tu peux croire qu'il m'a envoyé une invitation pour mercredi? Mercredi par mercredi. Pas drôle. Troum trick! Eh bien, il est temps de se dire au revoir. J'ai été ravie de te rencontrer mercredi, Adams. D'accord, moi aussi j'étais ravie de te rencontrer, poupée Megan. Pas un mot à qui que ce soit. Au revoir. Quelqu'un d'autre veut dire au revoir? Megan, je t'oublierai pas. Moi non plus. Salut, coloc! Je suppose que j'avais tort. Câlin? Non, merci. Elle est bizarre. C'est mon lit. Il faudra beaucoup de temps pour s'y habituer après le cercueil. Tu devrais être plus positive, c'est un nouveau chapitre de ta vie. Je sais ce qui t'aidera à te détendre. Ah ouais, j'aime ça. Merci. Je vais changer quelques trucs ici. Trop de trucs qui brillent. Ouais, c'est une bonne idée. Je vais envoyer un email à mes parents pour leur dire que je vais bien. Tes reptiles préférés seront partout. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Salut, coloc! Je me disais qu'on pourrait peut-être faire frire des marshmallows et discuter. J'aime pas les bonbons. J'aime le feu dans sa forme la plus pure. Bon appétit. Tu as tout brûlé, là. Bon, c'est pas grave, c'est quand même savoureux. J'en apporterai d'autres. J'ai tellement de chance qu'elle soit ma colocataire. Regarde ce que j'ai! Quoi? On se coiffe l'une l'autre comme de vrais amis. Amis? Ok, je vais te faire une farce amicale, ma fille. Oh, tu es de retour. Oui! Elle est encore plus faible que je le pensais. High five! Oh ouais! Maman m'a donné une lampe. Je l'aime pas vraiment, mais je veux pas l'offenser alors. Oh, je sais! Je vais l'améliorer et elle sera cool! Une peluche rose, ce n'est jamais assez. On ajoute quelques pendentifs. Oh ouais, c'est ma lampe préférée maintenant! Et mercredi! Il me reste du tissu! Décorons ta lampe aussi! Ce sera cool! Ça me rend malade. Si je décore quelque chose, alors seulement avec du noir. J'adore le noir. Et bien sûr, avec des insectes rampants et effrayants. Hé! Oh! Waouh! C'est tellement beau! Tu as fait du bon travail! Oui. Non, vraiment? Oh, il y a quelque chose sur ma tête? Oh! Une araignée! On dirait qu'elle adore être frappée avec un livre. J'ai 12 stylos gel à paillettes. Les plantes ont besoin d'être arrosées. La photosynthèse est un processus de vie important de toute flore sur notre planète. Ah, je vois. Waouh, incroyable. Hé, mercredi, regarde ma plante. Et qu'est-ce que tu fais? Waouh, c'est un peu effrayant. J'ai besoin de faire un pot de fleurs. Ça fera l'affaire. What? La chose? Je suis là, prends. Merci. J'adore couper. Terminé. Le monde n'a jamais vu de tels pots de fleurs. Magnifique. Waouh, c'est trop beau. T'as fait ça toi-même? Quel bébé mignon. Elle me rend folle aussi. Cette tâche est si difficile. Et le stylo ne fonctionne pas. Il est neuf, qu'est-ce qu'il a? Allez, travaille! Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Ouh, ça doit être une hallucination. Je vais prendre mon stylo pour les occasions spéciales. On dirait que c'en est une. Calme-toi, Enid. Oh, salut, la chose! Bonjour. Byron est né.
Oh, c'est quoi cette petite chambre douillette? C'est pour moi? J'ai fini et je vais certainement avoir un A. La chose? Où t'es-tu caché? Ah, oh, je pense que je sais où tu es. Le mot de passe. Allez, ouvre! Oh! Ne me secoue pas, ça me rend malade! Ok. Si tu connais le mot de passe sécurisé, écris-le dans les commentaires. Oh, ça a marché! Merci, mon ami sombre. Oh, mon crush, tu es si beau! Tu es parfait! Mon inspiration. Oh, quoi? Ah! Oh non! Non, non, non! Pourquoi tu cries? Oh, je vois. Je vais m'en occuper. Ferme-la, c'est mieux. Que dois-je faire? Savoureux, ça. Oh, c'est vrai. Un autocollant cosmétique. La pub disait que ça pourrait m'aider. Fait. Oh non, maintenant il y en a deux. Oh. Prends ça. Poro, poro, poto. Zélo, zélo, zébêta, ara, arei, paraclitus. Wow, merci. Comment t'as fait ça? Peu importe. Oh, je crois que je sais où son acné est allé. Oh, le sol est si froid, je suis gelée. Je vais me faire un tapis chaud avec les vieux vêtements. J'adore faire des choses de mes propres mains. Ces carrés colorés vont me réchauffer et me rendre heureuse tous les jours. Il faut faire attention avec les aiguilles pour ne pas se blesser. C'est ce que ma maman m'a toujours appris. C'est le tapis de mes rêves. C'est juste magique. Qui a été génial? J'ai été génial. Mon t-shirt préféré. Qu'est-il devenu, là? Enid! Quoi? Moi? Je sais rien, je sais pas. Avoir l'air sombre est un travail difficile. Mais j'ai une boîte d'horreur avec tout ce dont tu as besoin. Où est le miroir? Ah, bien sûr. J'en ai pas. Je vais regarder dans le grenier. J'aime bien cet endroit. On dirait une chambre des tortures. Oh, un vieux miroir. J'espère que les esprits des morts y vivent. C'est ce dont j'ai besoin. Bizarre, mais les miroirs n'ont pas montré mon reflet avant mes 5 ans. Je vais ajouter une décoration design. Tu peux rire, mais le style mercredi deviendra un jour une tendance. Des bestioles? Quoi de mieux pour décorer un cadre de miroir? Parfait. Hé, laisse-moi t'aider à te maquiller! Non, c'est une très mauvaise idée. T'inquiète pas, je m'y connais. Je vais te rendre super belle. Oh ouais, c'est fait. Je me déteste maintenant. Tu es si drôle. Je vais me maquiller à ma façon. Maintenant, c'est moi. J'adore les mathématiques. C'est un dérivé de l'alchimie. C'est magique. Je peux même regarder dans le futur. C'est affreux, tu n'as aucune connaissance, mercredi. C'est un F. Voilà pour toi. Oh, l'avenir est terrible, comme toujours. Je vais peut-être changer quelques réponses. Ouais. Oh, tu peux aussi voir mon avenir? Ok. Je suis fière de toi, Enid. C'est le meilleur travail que je n'ai jamais vu. Tu mérites la plus haute note. Waouh. Je le savais. Attends, tu... Ok. Je n'ai toujours pas déballé ma valise. Où dois-je mettre ça? Ok, ça va être ici pour le moment. Oh, mon Rubik's Cube noir et blanc. Je vais mettre mes affaires ici. Parfait. Waouh, c'est cool, je veux ça aussi. Mon parfum préféré. Avada Kedavra. Oh, ça doit être le mauvais sort. Et j'ai plus de parfum. Je devrais me souvenir d'apporter mes livres en classe. Waouh. Quoi? Comme ça, et ainsi la licorne pour porter chance. Ah, j'ai besoin d'un sac à dos. Oh, laisse-moi t'aider. J'ai deux sacs à main. Lequel tu préfères? Rose ou jaune? Hein? Ok, il me faut quelque chose comme une urne avec des bretelles. Je vais
vais le faire moi-même. Pas mal. Je peux mettre mes petits monstres ici. Je suis prête. Ouais, j'ai vu ton touchdown. C'était incroyable. Oh, regarde cet intello. Ouais, amusons-nous. Rends-la-moi, c'est à moi. C'est ce que tu cherches? Salut, toutou, où est la balle? Et alors, tu aimes? Oh, qu'est-ce qui va pas avec moi? Oh! Tu veux un os? Oh ouais, je le veux! Alors, rattrape-le! Je vais donner une leçon à ces idiots. Qu'est-ce que tu veux, toi? La chose? Attrape-les! Oh non, 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 arrête! Arrête! Et je prendrai la trousse à crayon. Pourquoi? Oh, ma trousse! Merci, Mercredi! Ok, on peut le faire. Wouhou! J'ai brisé la glace entre nous! Écoute, peux-tu utiliser ta magie pour me faire une Barbie? Je veux être aussi belle! Ok. Dorime. Interimo. Adapare. Dorime. Ameno. Omenare. Imperavi. Ameno. Dimere. J'espère qu'elle sait ce qu'elle fait. Oh, ouch! Eh bien, maintenant, tu es une Barbie. Merci, Mercredi! Cool, je vais me brosser les cheveux. Ouch! Oh, oh, ça fait mal. Pourquoi j'ai les cheveux de Boris Johnson? Eh, laisse-moi t'aider. Je veux avoir de beaux cheveux comme toutes les autres poupées. Ok, pourquoi pas une perruque? Waouh, j'aime bien! Franchement, c'est pas terrible. Ouch! Oh, et pourquoi pas celle-là? Je sais pas. Non. Oh, parfait, tu es si jolie! Ah, merci, chérie. Regarde mon relooking. Ok, enlève les vêtements, c'est à moi maintenant. Oh non, ça ne rentre pas. Je suis grosse. Voilà tes vêtements. Fuir, j'ai acheté tous les trucs à la friperie de la 7e rue. Essaye. Ah, oh, merci. Hé, qu'est-ce que t'en penses? J'aime bien. Non, c'est terrible. Et ça, je suis une pétarde. Non. Je suis un peu timide, mais... ça a l'air sympa, comparé aux précédentes. Oui, celle-ci est la meilleure. Ok, merci de m'avoir aidé à me changer. Je suis vraiment plus belle qu'avant maintenant. J'adore! La grandeur engendre l'envie engendre le mal. Et qu'est-ce qui va pas avec ton cou? Wow, pourquoi il a disparu? Et c'est quoi ça? C'est l'heure de ta séance d'entraînement. Ok. Waouh. Commençons. 1, 2, 3, 4, et encore, et encore. Allez, vas-y, ne t'arrête pas. Allez, fais-le. Plus, plus. On va voir, est-ce que ce truc est toujours là? Que doit-on faire? Oh, c'est vrai. Tiens, prends ça. Ok, mais est-ce que je dois vraiment le faire? Ça fait bizarre, mais j'aime bien. Et on a terminé. Comparons le résultat. Oui, c'est vraiment mieux. J'ai vu comment ils font sur TikTok. J'aime bien. Ouais, ok. TikTok ne donne pas de mauvais conseils, mais je suis pas sûre... Hé ! Qu'est-ce que t'as fait? C'est terrible! Non, ça marchera pas, ça. Non, pas d'injection. Ok. J'en ai peur aussi. J'ai un repulpeur de lèvres, essaye. Ok. Voyons voir. Hein, beaucoup mieux. Waouh! Ouais, cool! Intéressant. Waouh, ce type est beau. Je suis tombée amoureuse. Il sera à moi, quoi qu'il en coûte. Oh ouais, salut Ken. Tu es si cool. On peut sortir ensemble? Oh, envoyé. J'espère qu'il dira oui. C'est quoi, mon téléphone? Quoi? Non, bien sûr que non, je ne sors qu'avec des poupées populaires.
Quoi? Non. Waouh, ça fait mal. Hé, mon pote, aime cette vidéo et Ken sortira avec moi, s'il te plaît. Je l'aime tellement. Barbie? Barbie, regarde ce que j'ai trouvé. On va te trouver des lentilles. Tu veux dire pour les yeux? Ok, je veux les bleus. Non, tu as besoin de vertes. Je veux les bleus. Alors un compromis? Ok. Qu'en penses-tu? Non, c'est flippant. Et que dis-tu de celle-là? Maintenant, c'est parfait. Marie, le dîner est prêt! J'arrive! Barbie? C'est pour moi? Ah, salut bébé! Salut! Salut, ouais, c'est moi Ken! Tu veux sortir avec moi? Merci pour les likes! Bien sûr, je le veux! Ces fleurs sont magnifiques! Pas aussi belles que toi! Et attends, si tu veux voir notre date, écris-le dans les commentaires! Les bonbons sont ma raison de vivre et la raison pour laquelle je me réveille tous les jours! Oui, c'est très savoureux. Oh, j'ai une idée. Jouons à la femme enceinte. Quoi? Je suis pas prête. Ne t'inquiète pas, c'est naturel. On dirait que ce sont des jumeaux. Voyons voir. Quoi? Je comprends pas. Où est mon bonbon? Je sais pas. J'ai une télécommande pour toi. S'il te plaît, non. Souris. Je ne veux pas sourire. Qu'est-ce qui va pas avec tes dents, ma fille? On doit faire quelque chose avec elles. Allons te chercher de nouvelles dents. Peut-être qu'on devrait pas... S'il te plaît, c'est bon. Oh! Essaye celle-ci. Je les ai eues de ma grand-mère. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ok, alors on va blanchir les tiennes avec ce truc. Ok, j'espère que ça vient pas de ta grand-mère. Non. Qu'en penses-tu? Beaucoup mieux. Je suis jolie. Ne va pas trop loin, mais c'est déjà beaucoup mieux, regarde. Waouh, j'aime bien. Je t'aime. Ah, je t'aime aussi, Barbie. Je t'aime. Et je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ok, maintenant c'est bizarre. Qu'est-ce que t'as là? Oh, comme je le pensais. Je t'aime. Je t'aime aussi, Barbie. Quoi qu'il arrive, je t'aime. Chérie, surprise! Papa, où es-tu? Je suis là. Désolée, c'est un peu lourd. Voici ton cadeau, Marie. C'est une poupée nouvelle génération. Mais j'ai déjà une poupée. Tu ne comprends pas. Celle-ci est un million de milliers de fois mieux. Regarde comme elle est jolie. Et écrivez dans les commentaires quelle poupée je dois choisir. Je suis un peu perdue. Waouh, elle est vraiment meilleure que moi. Désolée, Barbie. Ton temps est écoulé. Tu vas aller dans la poubelle de recyclage. Non, papa, arrête, arrête! Ne fais pas ça! Quoi? Papa, arrête! Ne fais pas ça! C'est ma poupée! Et je ne te laisserai pas la jeter! Oh, c'est si mignon, ma chérie! Je suis fière de toi. Elle restera avec nous. Merci, oui! Tu peux jouer, chérie. Ok, on va te ramener à la vie. Oh, tu m'as sauvée, Marie! Merci, je t'aime. Jouons aux aliens. Des aliens? Pourquoi pas? Waouh, cool! Oh, hey, hey, hey! Maman, j'ai peur! Ne panique pas! J'ai peur! On dirait que j'ai encore raté mon test de conduite d'OVNI. Salut, on est les Mitchell! Je suis Tom! C'est comme ça qu'on fait? C'était une très grosse secousse. Ravie de vous rencontrer. Qu'est-ce que c'est? Ne touche pas ça! Salut les terriens, quoi de neuf? Tu dois partir! C'est si collant, dégoûtant! Maman peut la garder? Je veux plus d'un chiot, je veux cette chose! Je sais pas, c'est un peu dingue quand même. S'il te plaît, s'il te plaît! Ok, viens ici! Tu vas vivre ici. De toute façon, papa va s'en occuper. On
On dirait qu'elle est partie. Il est temps de commencer la mission Terre. Regarde, elle a tout cassé. Je vais m'en occuper. Ouh! Waouh! Je dois apporter cette technologie sur notre planète. Pourquoi ne l'avons-nous pas encore fabriquée? C'est tellement cool, simple et fiable. Et c'est un super jeu de tournevis. Waouh, j'aimerais avoir un doigt comme ça. Qu'est-ce qu'il a? Bien, ok. C'est une vraie pièce secrète. Ah, j'ai un drapeau. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai vu une personne et que je l'ai pris en souvenir. Je vais l'accrocher dans la chambre. Ils doivent savoir que je respecte leur civilisation et leur culture. Madame, aimeriez-vous goûter l'eau de la Terre? Je peux essayer. Waouh, elle a vraiment soif. Merci, vous êtes très gentil avec moi. De rien. Je vais y aller, j'ai des choses à faire. Ok, et si... Comment font-ils? Ouch! Je suis désolée, je suis tellement maladroite. Je suis toute mouillée maintenant. Mon multipassport! Il faudra... Eh, de quelle planète crois-tu que je vienne? La Lune? Mars? Ou Troum Troum? Écris la réponse dans les commentaires. Tu as aimé notre nouvelle vidéo? Alors n'oublie pas de liker, de t'abonner et de cliquer sur la cloche. À la prochaine fois!